Elisa. On dit quoi là-bas? Je viens de la boutique comme ça. Ah. Je suis allé répondre à un coup de fil. C'est Aka qui a appelé. Non, il dit de venir le voir, que il a une bonne nouvelle pour moi. Aka. Ouais. Aka a une bonne nouvelle pour toi. C'est ce qu'il a dit. Merci mon Dieu. Ça, je suis sûr que Aka a trouvé du travail pour toi. Mélissa. 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 Si ton vœu est exaucé, non? Si vraiment ce que tu viens de dire est vrai, et que quand Aka m'a appelé là, c'est pour du travail, regarde, je te jure, mes 10 premiers mois de salaire là, je mets ça en jeu. Je mets ça dans notre mariage. Non, Mélissa. On a tous souffert ensemble. D'accord. Je ne veux pas que tu ris avec ces choses-là. Regarde comment on a souffert ensemble. Attends. Malgré toutes nos souffrances, tu crois que c'est par hasard que Dieu a voulu qu'on reste ensemble jusqu'à présent? J'ai tout compris. Tu as vu, non? Soka, arrête tes promesses là. Lève-toi, va répondre à son appel. Voilà. Mélissa, le placard, il ne faut pas m'oublier. Toi aussi. C'est pour nous qu'on prépare. Je vais garder pour toi. Va répondre à son appel. Non, ne pas. C'est vrai qu'on a plus rien. Tu vas traverser la ville comme ça. Tu vas te changer. Hein? Je n'ai même pas fait attention. D'accord. Dieu merci. Aka, merci. Mamie, dépêche-toi. Tu as bonne nouvelle dans la maison. La terre de la cour va où en courant? Ma chère, si ça se trouve, il a appris que le propriétaire de la cour arrive aujourd'hui et comme il n'a pas d'argent pour payer, monsieur Pousse est là. Que dans leur maison, c'est sur tabouret, ça c'est. Quel tabouret? Ça c'est, il y a même le sol. Il y a même pas de tabouret là. Avec ça, ils sont là, ils sont intellectuels. Toi, quelqu'un. Dans la même couleur. Que commune ici, toi. N'importe quoi. Et sa femme. On va me parler de la femme, la salle jusqu'à son malin dans la cour là. Ouh! Ma chère, je ne t'ai pas dit. Oh. La femme de la porte 2. La voisine là. Ma chère. La dernière fois, ils sont venus couper son courant. Elle n'a pas d'argent. Mais ma chère. C'est pas possible. Malin. Elle est là. Elle n'a rien. C'est vrai. Oh, il n'y a pas. Voilà ça maintenant. Ça fait pitié quoi. Mais vraiment, c'est la pluie du matin qui nous a réunis sur le même appartement. Je te dis pas. Ce n'est pas la même chose. Quand même. Moi que tu vois là. Quand même, je ne suis pas n'importe qui. Mon mari était un haut cadre dans une société de gardiennage, s'il te plaît. Ma copine, c'est là aussi là. Ton mari a beaucoup de diplômes comme ça. Tu es bien haut. Yeah. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Ma chère, laisse ça là. Ma chère, on dit quoi? Je peux pas avoir un peu de piment. J'ai fait la sauce. Elle aime ça. Copine. Alors qu'à prendre. Tu as besoin de moi. Monsieur le directeur général. Eh oui, tu viens d'être nommé directeur général d'une société d'import-export. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Maintenant, assieds-toi. Assieds-toi. Ça va? Oh oh! Tu es toujours là? D'accord. Les prières de ta femme ont porté leurs fruits. Tu tues tes différents dossiers que je devais déposer par-ci par-là. Alors, figure-toi que dans la société BBK,
Leur directeur actuel va en retraite. Ils ont donc pensé que tu ferais un bon directeur. Merci. Merci. Aka, dans mes bras. Ah. Aka, dans mes bras. Dans mes bras pour... Ça va aller. Ça va aller. Assieds-toi. Je ne croyais plus. Je ne savais plus. Merci, merci Aka. Merci mon Dieu. Tu vois que mon Dieu te connaît. Notre Dieu. Ah ben, je t'avais. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et donc il faut que tu sois à cette entreprise demain matin à 8h. Mm-hmm. Mais pour être présenté à ton personnel. Attends, excuse-moi. Aka, j'ai même pas fini. Et pour cela, tiens, achète-toi un costume digne d'un directeur général. Merci. 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 Aka, tu es un frère. Merci. Allez, mais non, ça suffit. Va annoncer la nouvelle à ta femme. Merci, Aka. Et sois un modèle dans tes nouvelles fonctions. Merci de me rendre ma dignité. Mon Dieu n'oublie personne, je t'avais dit. Notre Dieu n'oublie personne. Finalement. Je ne sais pas comment te blesser. Mais non. Je ne sais pas comment te blesser, Aka. Tu l'as déjà fait. Je te blesser. Dis-moi, c'est pas une mauvaise blague, hein. C'est vraiment sérieux ce que non. tu dis. Non, c'est pour ça d'ailleurs, il faut que tu ailles vite annoncer la nouvelle à ta femme. Que tu achètes ton costume et que tu sois demain à 8h pile au boulot. Je serai là-bas à 7h. Aka, merci. Aka, merci. Allez. Aka, merci. Aka, merci. Aka, merci. Annoncer la nouvelle à ta femme. Merci. Bonne journée, monsieur le directeur général. Merci, merci, Aka. Merci, merci, merci. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, bel enfant? Comment est-ce que vous appelez? Mademoiselle Samira. Oh, Samira. Quel nom d'une rare musicalité. Oui, il y a de la musique dans votre prénom. Vous habitez le quartier? Monsieur, je n'habite pas le quartier. Je cherche ma cousine depuis le matin. Je me promène, je ne retrouve pas sa maison. Et comment s'appelle votre cousine? C'est la famille Kwasi. Elle a épousé M. Kwasi. Vous connaissez la famille Kwasi? Ah oui, mais c'est que des Kwasi, il y en a beaucoup dans ce quartier, donc je ne vois pas bien. Donc, voilà, vous savez, je vais être direct avec vous. Vous avez quelque chose que vos amis femmes n'ont pas. Mmh. Oui. Vous avez pour vous cette belle plastique. Oui, je vous le dis. Et... ajoutez à ça ce teint caramel. Et puis je sens un caractère. Et pour corroborer le tout, vous avez pour vous des rondeurs appréciables qui ne peuvent laisser personne indifférent. Surtout pas moi. Zouka. Monsieur. Je m'appelle Monsieur Zouka. Monsieur Zouka. Pour vous servir. Poésie là, je ne connais pas. Ma chaussure me fait mal, j'ai ma chaussure, je suis fatiguée. Ah. Ça, tu connais Monsieur Kwasi, la famille Kwasi ou tu ne connais pas? Mademoiselle Samira. Voilà. Je vous invite à prendre un pot. Et pendant que nous serons en train de nous rafraîchir, ben, je vais vous aider à retrouver votre cousine. Je ne suis pas garé loin. On va prendre la voiture. Ah, vous avez une voiture? Écoutez,
Samira, n'est-ce pas? Oui. C'est la moindre des choses pour quelqu'un qui habite ce quartier. Ah. Oui. Ah. Alors. On y va. Mm-hmm. Bon, c'est Samira. Allô? Oui, allô? On dit quoi, cher ami? Depuis que tu travailles, je te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu sais, il faut assumer ses responsabilités de directeur, hein. Et surtout, il faut faire ses preuves. Le travail est très prenant, en tout cas. Oui, mais en plus, ta femme dit que tu n'es presque plus à la maison. Ma femme, laisse-la. Elle ne s'est pas encore... Elle ne s'est pas encore mise de notre changement de situation. Zoka, fais attention à toi. Pardon, la ligne est mauvaise, je te le concède. Mais j'ai cru entendre un son émanant de ta bouche, me disant de faire attention à moi. C'est bien ce que j'entends. Oui, oui, oui. Je dis fais attention à toi. De faire attention à moi. Eh bien, je vais te dire, Aka. Il y a longtemps que je devrais te le dire. Mais maintenant, je te le dis. Il y a des légèretés que je ne peux plus supporter de ta part. Ok? J'estime que l'amitié se nourrit de respect, de considération. Désormais, j'aimerais que tu me parles avec beaucoup plus de respect. Attention, ce n'est pas parce que tu vas trouver du travail que tu vas te prendre pour... c'est pas non, il faut que tu comprennes que je ne peux plus supporter ces légèretés, surtout venant de toi. Et que ce soit bien clair, je n'aimerais pas avoir à le répéter. Merci, j'estime que la conversation est terminée. Bonsoir, adieu. Hi. Ce Dungour m'a raccroché au nez. Tant je rêve. Ou c'est son nouveau poste qui lui monte à la tête? Assieds-toi là-bas. Toi aussi, il faut te lever. Bon, mes filles, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Maman, pardon, il faut annoncer ta nouvelle là vite. Parce que moi, j'ai un rencard là, je n'ai pas que ça à faire. Maman, parle, on t'écoute. Attends. Aïe. Claudia, il y a quoi? Si tu es pressée, il faut te lever, tu vas partir. Depuis que tu sors là, tu me fais apporter quoi dans cette maison? L'eau, courant, maison. Je pense que je suis la seule à tout faire, non? Laisse ça, c'est comme ça, elle est. Ah. Hé, toi, je ne t'ai pas encore sonné. Je ne t'ai pas encore sonné, là. Claudia, il y a quoi? Mais pourquoi elle parle sur moi? Mais il y a quoi? On ne peut pas discuter en famille. Oh. Bref. Mes filles, Monsieur Zoka a décidé de faire de moi son épouse. Maman, oui. Le tonton qui vient de là. Oui, là. Maman, non, t'es trop forte. Oui, ma fille. Maman, tu n'as pas dit qu'il est marié. Attends, toi, ton problème là, il est où? Qu'il soit marié, qu'il soit divorcé, ça, ce n'est pas notre problème. Bien, maman. Aïe. Ma fille, qu'il soit marié ou qu'il ne soit pas marié ou où est le problème? Moi et sa première femme, on va gérer le foyer ensemble très vite. Ah, mais maman, le déménagement c'est pour quand? Parce que franchement, je ne supporte plus les odeurs. Et en plus, ces femmes-là qui habitent cette cour-là, non, mais elles sont insupportables. Tout faut faire vite. Et moi, j'ai envie de retirer de la bonne odeur. Ma fille. Ça ne saurait pas de problème. Monsieur Zoka vient aujourd'hui. Il vient aujourd'hui. Oui. Bon, je suis dans la chambre. Il n'y a pas de problème. Maman. Toi, ris un peu. Laisse-la. Ah. Ma maman, il t'a tombé. Maintenant, toi, si tu n'es pas contente, tu ramasses tes affaires et puis tu vas vivre chez ton père. Ok? Parce que pour nous autres,
adieu la galère. Je suis partie. Comment tu vas, Clara? Ça va. Ouais. Ça va. Comment t'es chic comme ça? Oh, qu'est-ce que tu crois? On dit quoi? Tu es content du matin là-haut? Hé, mon cher, je t'ai rien dit. Affaire-moi. Ma maman est tombée sur un gars là. Mais le gars, il a le flic. Le gars a décidé d'épouser ma maman. Donc, on va déménager. Ah, la copine, le bouton est bien. Mais comme ça, tu as quitté les petits commérages et la cour. Les femmes, elles aiment tellement s'occuper des gens. Les femmes là, je t'ai pas dit, hein. Chaque fois quand j'entre ici là, elles s'occupent de moi. Tout ce que je fais là, ça les intéresse. Faut les laisser. Elles vont me parler de moi, chacun la sa vie. La vie est faite de choix. Quand tu as choisi d'être ce que tu es, le problème est où? Mais moi, je comprends même pas. Elles sont jalouses. Je te dis parce pas. Que tu es chic. Tu es toujours bien habillée. Tu es toujours bien maquillée. Oh, et puis, tu sens toujours bon. Merci pour tes compliments. Mais je t'ai rien dit. Vas-y, vas-y. C'est qu'il y a un gars là. J'ai dit, il est de moi, comme il est enjaillé de moi. Lucette, faut pas le louper. Il est mignon. Mais ça, faut pas le louper. Il faut le couper au maxi. Mais je t'ai encore rien dit. C'est que j'ai tellement mis dans lui, non? J'ai dit qu'il va me faire déménager aussi. Je te dis pas, toi, tu fais comme tu me connais pas. Non, je te connais. Tu me connais. Non, tu es trop forte. Mais tu vas où? Ben, c'est que là, j'ai rendez-vous avec un autre gars, quoi. Tu vois, non? Lucette, hein? Donc, je prends mon sac. Et puis, on va chez Minos. Je t'attends ici. Tu m'attends, tu suivais mes affaires. Oui, je vais surveiller. T'es là sous moi, hein? Fais là. Trop fort. Explique-moi. Valé. Moi qui pensais que dès que mon mari aura trouvé du travail, on allait vivre heureux. Mais là, je me suis trompée sur toute la ligne. Ah bon? Explique-moi, s'il te plaît. Valé, je suis convaincue que Zuka est une autre femme dehors. Zuka rentre tard. Souvent même, il découche carrément. C'est toujours des histoires à la maison. Et à chaque fois que je lui pose la question de savoir ce qui se passe, tu sais ce qu'il me dit? Je n'ai rien à te dire. Tu sais, ma chérie, on reconnaît la valeur d'une femme. Quand elle encaisse les coups. Je ne sais pas comment te le dire, mais sois forte, s'il te plaît. Ton mari sort avec une petite fille de rien du tout. Tu dis quoi? Valé, tu dis quoi? Non, 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 attends, tu as fait l'information, tu ne m'as rien dit. Valé, tu es ma soeur. Valé, tu es ma soeur ou pas? Je suis ta soeur. Zuka. Zuka, il est un peu. Valé. Mais je vais le tuer. Tu veux le tuer? Si cette fille veut la bagarre, nous allons la lui livrer. Mais avec stratégie. On va faire quoi, Valé? On va faire quoi? Aïe. C'est qui ça là? Oh non. Moi, j'ai lavé mes habits. Il est venu trouver un habit de qui sur la côte. Attends, je vais enlever. Puis, il y a quoi? Qui va venir me demander? Moi, il est venu te demander. Moi, là, il est venu te demander. Tu en es pour quoi? Tu vas me demander quoi? Tu en es pour quoi? Je vais enlever. Mais pourquoi tu en es? Je dis. Tu en es pour quoi? Je dis. J'ai enlevé. Je vais mettre mes habits. Tu vois pas clair? C'est pas parce que tu sors avec mon mari que tu vas te comporter mal envers moi. Attends, où est Marie là? Hein? Qu'est-ce que tu appelles Marie? Tu vois pas Marie là? Tu es poli. Marie, tu es poli comme ça. Hé! Tu es poli comme ça. Tu vois pas Marie? Oh, attends, laisse-moi. Qu'est-ce que tu es malade. Tu es malade, toi aussi tu sors avec mon mari. Mais il va me faire où il est même. Tu es foutre, il va bien la foutre à lui. Regardez, quand tu es mon mari,
je peux avoir besoin de ton mari. Regarde là, mon mari me suffit largement. Oh, ah, elle me met déjà partie. Ah. Eh hey Zoka, qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi? Mais depuis hier tu es sorti, c'est seulement maintenant que tu rentres. Il y a un problème? Ah, tu aurais pu m'appeler pour me dire que tu ne rentrais pas hier. Ah, tu veux que je t'appelle pour te rassurer quoi? Oui. Mélissa, on rassure ceux qu'on aime. Oui. Eh hey Zoka! Écoute, je ne vais pas faire une conférence de presse. La nuit a été particulièrement rude. Puissante. Je n'ai pas besoin de faire de conférence de presse, j'ai besoin de repos. Mmh. T'as besoin de quoi? Oui, ça, j'ai dit que j'ai besoin de repos. Repos, ici? Non, non, non. Je suppose que tu as eu le temps de te reposer là. Eh bien non, je n'ai pas pu me reposer là. J'ai dit ce matin là, tu vas me donner des explications. J'attends. Attends, tu vas où? Tu vas où? Zoka, j'ai dit je veux explication ce matin. T'es fatigué, non? On est là. Écoute, Mélissa, je n'aime pas ça. Mélissa, je n'aime pas ça, tu as compris? Je n'aime pas ça. Chérie, la femme de Zoka est passée me voir. Tu ne peux pas savoir combien de fois elle souffre dans son foyer. Zoka ne s'occupe même plus d'elle. Ah, les hommes. Faut pas dire ah, les hommes. Faut dire ah, Zoka. C'est vrai que quand on dit les hommes changent, enfin, les gens changent. Je préfère dire ça comme ça. C'est vrai. C'est vrai que le Zoka d'hier n'est plus le même qu'aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive à mon ami. Et si c'était un envoûtement? Ça m'a tout l'air. Parce qu'il paraît qu'il a une autre femme dans sa vie. Toi, Zoka, depuis un moment, j'ai remarqué. Quand je te regarde là, je suis convaincue que tu as une autre femme d'ailleurs. Ça, je suis convaincue. Hey, parce qu'en plus, madame m'espionne maintenant. Appelle ça comme tu veux, mais j'ai des preuves même. Mélissa, viens. Assieds-toi. Ah. Oh. Tu sais, je voulais trouver le temps et la manière de te l'apprendre avec plus de délicatesse. Mais là, tu ne me laisses pas le choix, puisque tu es devenu détective privé. Oui, Mélissa. J'ai une femme dans ma vie. Une femme extraordinaire. Une femme d'une beauté. Avec des rondeurs appréciables. Une femme, femme. Et je l'aime. Elle m'aime. Et nous conjuguons ce verbe avec beaucoup de passion. Et bon. Je peux t'apprendre que très bientôt, elle viendra nous rejoindre. Et ensemble, partager beaucoup d'émotions. Voilà. Il fallait que tu aies l'information. Zoka. Oui. Attends, Zoka, tu sais à qui tu parles au moins? Oui, Mélissa, je parle à l'ex-décor, Mélissa. Hé, hey, Zoka. Oui, quoi? Tu as la mémoire courte. Que de grands mots. Moi, la mémoire courte. Zoka, tu as oublié tes promesses. Quelles promesses? Non, Mélissa. Il faut te calmer quand je vais avoir du travail. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais acheter une villa. Tu seras l'unique femme de ma vie. Zoka! Mélissa! Oui? C'est vrai que j'ai promis. Mais
heureusement que le mot oublier aussi existe. Ah oui, j'ai oublié ce que je voulais oublier, mais j'ai retenu l'essentiel. L'essentiel pour moi, Mélissa, c'est que je gagne assez d'argent pour me permettre d'épouser une autre femme. Et je vais me priver pour te faire plaisir? Non, je ne peux pas. Voilà. Zoré. Oui. Oh non. C'est moi que tu fais ça. Oh, je connais la chanson, s'il te plaît. Je connais même le refrain également. C'est quoi ça là? Pas compris. C'est quoi ce vacarme là encore? Si c'est pas Monsieur Tousseau et sa femme là, ça va être qui? Oh mais vraiment. Oh, ces deux là, c'est pas possible. Mais il m'énerve dans cette cour là. Oh, mais hey, tu ne les comprends pas? Laisse tes aimes, ces misérables là. Oh, j'ai mieux à te dire. Tu sais quoi? Une grande nouvelle. La dernière fois, j'étais chez ma cousine à Angers. Quelle fut ma surprise? Dis-moi. Quand elle m'a dit que son nouveau voisin était Monsieur Zoka. C'est pas possible. Tu me dis quoi? Oui, Monsieur Zoka. Oh. Et sa femme? Hey. Faut pas parler fort. C'est là, là même que se trouve la mauvaise nouvelle. Oh. Ma soeur dit, ce sont des histoires d'un point fini. C'est pas possible. Monsieur Zoka maltraite sa femme. Garçon. Actuellement, là, il lui a dit de partir de chez lui. C'est pas possible. Avec tout ce que garçon. Oh. Mais l'homme est ingrat. Et il a oublié tout. C'est pas moi qui va prendre une seconde femme pour shooter celle-là derrière. Ça, c'est piment d'engrais là. Elle dit, elle va venir nous trouver ici. Là. Mais c'est elle qui va nous trouver. Oh, on n'a pas de temps. Arrête bien encore. Vous de là-haut, vous n'avez rien à faire matin là-haut. Hein? Vous passez tout votre temps à raconter là-haut. Matin là, raconter son maquille de rabot. Il y a quoi? Florence, vous ne faites que je suis là. Pardon. Après, tu as porté ton temps. Il dit, il ne faut pas me parler comme ça. Hein. Qui raconte des ragots dans cette cour-là? Hein? Toi, tu es nouveau-né et puis on va s'occuper de toi. Si tu as sommeil, va dormir. Hé, hey, Florence, on ne peut pas crier sur moi devant les gens là. Hein. Quoi? Après, tu suis ton mari. Hein? Non, je suis ton mari quand même. Ouais, mari là même. Bout d'homme comme ça là. Moi, bout d'homme. Florence, moi, bout d'homme. C'est pas grave. Je me trouver dans la chambre. Je suis là-bas. Je me trouver là. Je trouve dans la chambre. Hé, hey, ma copine, toi aussi. C'est ton mari avant tout. Et toi aussi. Marie, l'on trouve pas. Même son filet. Ma soeur, il faut laisser ça là. C'est pas l'homme, c'est pas où, on, où aller. C'est pourquoi je suis venue m'asseoir chez lui là. Sinon, lui là. Lui là. Quand lui, il me voit là. On se ressemble où? Ma copine, là, tout à l'heure pour la suite. Allez donner bonjour Jean. Regardez là. Regardez là. Tu aimes le monsieur là qui fait un malais quoi. Malais. Femme. Ça c'est pour la chanson. Ça c'est pour le refrain. Voilà. Tiens. Allez, allez, allez. Il me reste encore un minimum de. Hein, de galanterie. Comme toi, on ne sait pas quand tu dis oui, on ne sait pas quand tu dis non. Je te laisse ça. Si tu changes d'avis, je te dis ça. Ah, Mélissa. Tu es resté éternellement enfant. Mélissa, ouvre les yeux et grandis un jour. Hein? Ah, Mélissa. Ma chérie, il dit qu'il y a d'autres femmes dehors.
Pardon. Toi, ta colère, je la connais. C'est comme une épidémie de peste. Madame Yakoua. Madame Yakoua, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Mm-hmm. Tu ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Voilà. Tu as chargé toutes les femmes de la cour. Tu as commencé à sortir les femmes de la cour là. Tu savais qu'elles m'ont frappé aujourd'hui. Mm. Hein? Elles sont en train de me frapper. Tu sais que tu veux sortir avec tout le monde. Ah. Hein? Moi, je sors avec tout le monde. Dis donc, madame, tu peux me citer un seul nom et puis je vais aller demander. Tu marches sur les ondits. Voilà, madame, marche sur les ondits. Toujours on dit, madame, faut charger un jour. Alors tu veux quoi? J'ai pas besoin de te citer un nom. Mm-hmm. C'est toute la cour qui me frappe. Ah, j'ai compris. Madame, j'ai compris. Donc on a qu'à déménager. Il faut qu'on déménage. Ok, j'ai compris. Bon, je t'en prie. Ici, là, c'est mon lieu de travail. Va à la maison, j'ai venu te trouver. Y a pas de problème, je vais à la maison. Mm-hmm. Tu as compris? Il faut qu'on tisse cette affaire au clair. Parce que le déménagement, là, ça t'arrange pas. Parce que tes intérêts sont dans la cour. Ah, tu trouves? Voilà, bon, tes intérêts, là, ça est dans la cour. Là. Allez-y maintenant. Je m'en vais. Allez-y. Mais il prend le rouleau de dos à quoi, Gadrin? Hé! Damien, pas ça, ouais. Hé, 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 on va déménager. On va déménager, ouais. On va déménager. Maison pour trouver avec des cailloux, là. J'ai trouvé une petite place, là. Ça te plaît pas, hein? On va déménager. On déménagera. Quel plaisir de me retrouver avec toi, chérie. Zoka, chérie. Et c'est pour cela que je vais tenir ma promesse. Mmh. Oui, à partir de demain, tu vas rentrer dans ton nouveau foyer. Zoka, chérie. Oui. Parce que tu sais, je suis fatigué. Je te donne les rouges d'avoir à distance toute cette chair, tout ce scandale esthétique, et de ne pas pouvoir en profiter. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu n'es pas contente? Non, mais écoute, Samira, ce que j'espérais de toi, c'est que tu sautes au plafond, que tu exprimes ta joie. Au lieu de cela... Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais promis que tu allais faire partie de ta femme avant que je ne rentre dans ton foyer. Écoute, Samira, c'est ce que j'ai dit. Mais dans la pratique, je me rends compte que ce n'est pas aussi évident. Ah oui, bah, Samira, on ne chasse pas une personne comme on chasse un chien. Non, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est... Toi, ce que j'attends de toi, c'est que tu joues le jeu. Que tu acceptes de venir dans le foyer. Et que tu acceptes d'être patiente également. Et tu verras. Je te promets que, au finish, tu seras dans très peu de temps mon unique ami. Les enfants sont là. Ne t'inquiète pas. Chérie, je saurai t'aimer. Je vais te donner tout l'amour qui t'a manqué. Oh. Samira. Oh, Samira. Bon. Ce n'est pas l'envie de rester qui me manque, hein? Oui. Mais... Je suis obligée de partir. D'accord, chérie, à demain. Et dis aux enfants. Dis aux enfants de s'apprêter. D'accord, chérie. Samira. Ah, Zoka. Samira. Mmh. Oh. Ah. Zoka. Ah oui. Bien chérie, ici c'est chez mon grand frère. Tu peux y revenir quand tu veux. Surtout mets-toi à l'aise. Aucune bouche ne te dira un mot. Yes. Ça va? Et toi?
ton grand frère, il n'est pas marié. Marié? Il y a une chose qui vit dans cette maison ici. Une bagresse, de toutes les façons. Moi, je m'en fous d'elle. Un peu de tenue quand même. Respecte au moins la femme de ton frère. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas. D'ailleurs, je m'en vais. Tu sauras où me trouver quand tu auras changé de langage. Mais au fait, c'est pas ce que je voulais dire. Hein? Franchement, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je ne veux rien savoir. Si tu m'aimes vraiment, tu sauras où me trouver. Ah, mais je t'aime, bébé. Là, là. Si je la laisse partir, c'est pas bien. Hein? Ça, c'est mon café cacao. Bébé, s'il te plaît. Chérie. Bonjour, Ripon. Oui, bonjour, madame. Je peux avoir 1 kilo de riz. Mais comment une belle femme comme vous peut commander son riz derrière la grille? Entrez. Mais à crédit, hein? Je vais te payer ça demain. Oh, madame, quitte un jour dans le crédit et tu auras tout cadeau, tout ce que ton cœur désire. Il faut laisser le crédit. Sel, riz, huile, tout ça, tu auras cadeau. Et puis, pardon, viens. Il faut entrer. Les riz que tu veux, il y en a plusieurs, il y a toutes les qualités. Viens, comme ça, tu vas choisir. Oh, madame. D'accord. Ok. Reste à côté de moi ici. Voilà. Alors, tu disais quoi? Ok, j'avais dit que je voulais 1 kilo de riz, mais à crédit. Oh, bon, ça, je sais ça. Et je vais te faire une confidence. Tu sais que dans le quartier, c'est toi seul que j'aime. Et puis, tu n'as pas l'idée de discernement. Depuis qu'on est dans le quartier, là, je te fais des signes en ta faveur, mais tu ne vois pas. Hein? Et puis, laisse-moi te dire, tu n'as jamais joué à cache-cache à ton enfance? Si, mais... Mais quoi? J'ai peur. Peur de quoi? Mais les femmes de la couleur parlent trop. On va continuer de jouer à cache-cache. Tu as compris? Si mon mari apprend, elle va me chasser. Oh, on faut laisser. Bon, donne mon argent, j'ai été donné. Non, mais... On m'a dit ce que tu sois la voisine de la porte 3. Quelle voisine? C'est qu'elle a la porte 3, là. La femme de bas, là? Oui. Vilaine femme, là. Moi, je fais quoi avec elle? Je vais faire quoi avec elle? C'est toi celle que j'aime. Tu es là, tu tardes. Faut pas tarder. Prends la perche que je te tends. Prends ça. Bon, j'aime pas les choses qu'on doute là-dessus, là. Donne-moi, je vais te servir. Hé, Jupon. Tu as déjà dit ça, j'ai compris. Bon. J'accepte. Tu acceptes. Et on fait comment? Faut pas fermer la porte de derrière. Non, je ne veux pas fermer la porte, mon bébé. Pour toi, je ne fermerai jamais la porte. Et c'est la veille minuit. Mais minuit, ton mari est là? Hé, hey, lui, il faut le laisser. Hein. Pourquoi? Quand il finit de manger, il commence à ronfler comme un porc. Oh, mais pourquoi on peut ronfler à côté de ces belles choses-là? Oh là là. Je vais le déronfler. Oh là là. Bon, tiens ton riz. Je t'ajoute même 1 kilo. D'accord. Tiens. Oui, le riz. Le riz. Et le riz. Merci. Oui. Merci. Ne l'oublie pas. À Mimi. Ok. Pas la porte de derrière. Je ne fermerai jamais la porte. Ok, merci. Allez, je t'accompagne avec mon sourire. Oh là là. À Mimi, n'oublie pas. D'accord. Mimi, c'est une note très grave. Mais dis, toi, à cause de toi, regarde ce que ta femme a fait. Regarde ce que ta femme a fait. Hein? Tu n'as pas honte, ce qu'elle m'a fait. Tu peux pas commander ta femme là. Faut la mettre à la maison, tu as compris, non? Il faut la mettre à la maison, tu as compris. Doucement. Hein? Doucement quoi. Et puis quoi? Pardon, donne mon argent, il est passé. Tu sais que tu es mon soleil du matin. Fais vite, pardon. Tiens, pardon, faut pas les gens m'apprendre. Un peu de respect quand même. Un peu de respect. C'est pas parce que... Hehehe.
Suivez-moi. Zoka. Oui. Quand Zoka aime, Zoka épouse. Entrez. Vous êtes chez vous là. N'ayez pas peur. Voilà. Asseyez-vous comme vous pouvez. Voilà. Je vais tenter donc appeler. Mélissa. Mélissa. Bon, écoute. Je veux que ce soit clair. Tu es ici chez toi. Oui, chez toi. Chez toi. Tout ce que je te demande, c'est beaucoup d'amour. Résiste aux provocations. Je ne veux pas qu'on dise que tu as fait palabre tout ce temps. Non, chérie. Les filles. Oui, tonton. J'attends de vous la même chose, d'accord? Il n'y a pas de problème. C'est toi, je vais appeler donc. Mélissa. Mélissa. J'arrive. Ah, Dieu, t'arrives. Ça va? Oui, ça va. Oui, tout va. Merci. Mélissa, il y a ta co-épouse qui est là. Et donc, déjà. Voilà, il vient de sa maison qui est là-haut. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Tu veux montrer sa chambre? Oui, Samira. Oui. Voici donc ta co-épouse Mélissa. Ces deux filles. Vous êtes très belles. Enchantée. Ah, grand frère, tu as vraiment le compas dans l'œil. Ben, bien sûr. Ah, là, je suis content. D'accord. Ça va? Bon. Oui, ça va. Donc, on va aller à nos chambres. D'accord. Allez, on s'en va. Les enfants. Prends les bagages, on va aller. Mais tu fais leur donner un coup de bain? Non, pas de problème. Voilà, merci. Pourquoi c'est son sac? Tu peux pas prendre pour moi aussi? Mais il y a quoi? Bon, d'accord. Allez-y, dans la chambre. Samira. Chérie, tu sais qu'on ne peut plus rien pour Zoka. Ah bon? Je suis allé le voir. J'avais envie de parler avec lui. Ah bon? Si à peine s'il m'a écouté. Zoka va payer tout le mal qu'il a fait autour de lui un jour. Elle est arrivée. Tu m'es pas. Est-ce que tu l'as vue? Est-ce que. La voilà. Valée. Cet homme qui m'a dit que c'est une petite fille de rien du tout, hein. C'est ça que j'ai vu là. Donc on m'a mal renseigné alors. Mais vous parlez de quoi toutes les deux? Excuse-moi chérie, revenons 5 minutes. Non, pas question. Ce qui concerne mon ami et son épouse me concerne directement. Ouais. Pourquoi tu veux que je parte? Je reste là. Ouais. Allez. Ce que ton mari vient de dire là, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ce qui nous concerne, vous concerne. Ce qui nous concerne, vous concerne. C'est la même famille désormais. Hein? C'est vrai. Aka, c'est ton frère Zoka qui a fait venir sa nouvelle épouse. Donc, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de partir. Pas question. C'est pas au moment où tu dois récolter ce que tu as semé que tu vas t'amuser à plier bagages. Vous allez gérer ce foyer à deux.
Mélissa, on reconnaît la grandeur d'esprit d'une femme dans les actes qu'elle pose. Si tu aimes vraiment ton mari, va récupérer ton foyer et défends ce qui te revient de droit. Toi, Valé, même tu es là, tu parles, c'est facile quoi. J'ai dit, est-ce que tu l'as vue? Elle est bulldozer ou quoi? J'ai dit, c'est plus que bulldozer. Celle-là, c'est caterpillar même pour venir tout raser sur son chemin. En tout cas, ce qui est sûr, si elle touche à un seul de tes cheveux, elle aura affaire à moi. Écoutez, voilà ce que tu vas faire. Tu vas regagner ton foyer et le reste, on va voir plus tard. Aka. Mais enfin, le pays est géré. Aka, le pays est géré, mais moi, mon foyer là n'est pas géré. Zoka. On se connaît, monsieur. On se connaît, monsieur. C'est moi, Dieu. C'est moi. Tu me reconnais pas? Écoutez, monsieur, j'ai horreur de plaisanter comme vous qui aime rappeler aux autres leur passé qui n'était pas reluisant. Non, Zoka, c'est moi. J'ai horreur qu'on me regarde dans la rue. Non, Zoka, c'est moi. Monsieur, passez par le chemin. Abi, c'est moi. Oh, monsieur, foutez-le dans le camp. Hé, hey, Zoka, l'argent est bon. En voilà des façons. N'importe quoi. On vous parle comme ça, Abigail, ici. L'argent est bon, hein? C'est pas toi, hein? Vous m'abusez. On vous connaît comme ça, bien ici. Bon. Nadine, je dis, le petit frère du tonton, il est patadé. Oui, Jade. Oh. Attends, comment il s'appelle là déjà? Frédéric. Freddy, je vais me le faire ce mec. Il est trop mignon. Claudia, je te vois fini. Tu es le garçon de... Lui là, c'est le petit frère de notre papa. Tu vas pas le prendre aussi, c'est quoi ça là? Maman t'a dit que c'est notre papa. Maman t'a dit ça. Carrément. C'est qu'est-ce que moi j'ai géré ma fille. En fait, ce que tu veux, c'est ton problème. C'est qu'est-ce que je vais le gérer. Mais ça, la fois que je change. Ma chérie, excuse-moi, je veux... nettoyer ici là. Tu as quel problème? Tu as un problème avec moi? Non, tu as un problème avec moi? Tu as quel problème? Où je suis assise là, ça ne te plaît pas quoi? Non, c'est pas ça. Tu as fini de suer là-bas là? Oui, là-bas là, est fini. Mais pourquoi c'est ici là qui t'intéresse? Va suer là-bas, pourquoi c'est ici là seulement tu fais? Maman! Oui, non, 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 si c'est maman là, pardon, c'est vrai là. Maman! Mais le passé, mon chéri. Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Y'a quoi? Maman, c'est pas elle là. Où je suis assise là, c'est là de venir essuyer. Attends, Mélissa. Mélissa. Donc depuis là, tu n'as pas fini d'essuyer le salon? Non, il est ici là. Tu attends quoi pour aller au marché? T'as dit, tu veux partir tout de suite. T'as dit, pardon. Mélissa. Maman, aujourd'hui, il faut lui dire, il faut pas qu'elle mette assez de sel dans la sauce. À cause de ça, je n'ai pas mangé la dernière fois. Mélissa, tu veux tuer ma fille? Mélissa, tu veux tuer ma fille? Et puis j'espère que tout ce qui se passe dans cette maison. Quand Zoka n'est pas là, j'espère que tu ne lui dis pas qu'elle revient du service. Mais Mélissa, si tu te trompes pour dire quoi que ce soit à Zoka, mais je vais t'écraser comme banane. Tu connais banane, non? Je vais t'écraser comme ça. Maman, je connais. Regarde, on dirait main sec. N'importe quoi. Va, on a sonné. Regarde ça. N'importe quoi. Maman! Maman! Hé, hey, toi, tu la boucles, hein? Si je ne faisais pas comme ça, là, tu penses que tu allais te trouver dans une belle maison comme ça? Va habiter chez ton père qui a coûté là. N'importe quoi. Hey, maman, oui? Si notre papa vient, il faut lui dire qu'il va faire portable pour nous. Portable, c'est petit, ma fille. Pour toi seulement, de toute façon, tu es gentil avec moi. Là. C'est ordinateur payé pour toi. Mélissa! Mélissa, mais c'est qui? Pactol Production Office de Lolo Moutima, le socle de la production congolaise, présente Alain Kabangou,
les descendants spirituels des Kabongombaï, dans deux albums chrétiens chantés en Tchiluba et en Lingala. Pour la nouvelle étoile montante de la chanson chrétienne, Alain Kabangu, Nzambi Moumania et Ami Intime. Déjà dans les bacs, Nzambi Moumania et Ami Intime, deux albums disponibles en CD et DVD chez tous les disquaires de la place, dans le supermarché et chez kazarema.com. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes de Apple, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Alain Kabangu, l'espoir de la chanson chrétienne en langue nationale Tchiluba. Alain Kabangu, c'est une valeur sûre de la musique chrétienne congolaise. Sur ça, tout le monde est d'accord. Alain Kabangu, dans Ami Intime, avec des titres comme Mambou. Ami Intime. Yaya Yesu. Ebele ya batu bayaki koyoka liloba ya Yesu basusu bauta utana bango misika basusu batala misika bauta te Papa mbayaka epana Yesu kosuwa lobi kwa seko Bazanga mabala, bazuaka mabala Bazanga kobota, bazuwa banana komona Yesu masia Mupikudi Mupikudi wai Mupikudi kondeke dito mema Mupikudi kondeke dito mema Palusini mwana weba wakafila Palusini mwana weba wakafila Mwindia Nashabi wanya, nashabi wana, nashabi walo ata biashara Kuiwenza bia Zambi Ujumufa mwanetu Kwa majina nga munda mweba Walutu kujala mwana wa Zambi Akupeta biakana Kusambila Hey kusambila kusambila mwipa Bana ba Zambi kusambila kusambila mwipa Bene Kristo kusambila kusambila mwipa Chinji ngikala bobolu ba kusambila Hey kusambile Muiki mujalama kutonu mkusambila Adonai Natomboli kumbona yo Situli jesu natura Natomboli kumbona yo Osana 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 kumbona yawe Manyi Remix Kanja wajia Wajia wajila nyuma mwipe Alain Kabangu, les nouveaux poulains de la maison Pactol Office, Pactol Production. Il y a vie courante, bien que ça n'a pas Nzambe, mais ça y a vie. Et dans Nzambi Moumania, avec des titres comme La Kisanga Inzela. La Kisanga Inzela, la Langa, la Belanga Inzela, la Langa, oh Yesu. Zambe Loba, Lomoko Loba, La Kisanga Inzela, ya Lobi
évangéliste René Tchibou Gisasi, la qui s'est battu pour Nazela et Soussi. Zambé Loba, Yomoko Loba, la qui s'anga, c'est la lobique. Yesuna baye kulina en, atume kibango, boni ba mokiliba koloba nazana niye. Alléluia. Bulobambwa makenga, bulobambwa makenga. Munda mo buloba, mudi binvini banyeni. Munda mo buloba, mudi tunsonda bana betu. Uyu muguna nganganyi, wakuleja jina. Alléluia. Uba muna nganganyi, wandeja jina. Alléluia. 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 Zambi. Ngani wakwamba? Ngani wakwamba nyufawe wakufa. Na shumwa kena kuto, udinidi ya kwamba weba. Ngani wakwele mulawane kukweza la wawalu. Na shaka kweba kena kuto, pikala ya swanyi kai mukwele mulawo. Udi umbushe biju kujala utone mushinga. Bakena mushinga juto mushinga. Kumaka pesha imodia kai setedi. Mwena lukuna weba, lekele kwele kwewa, ndekele uwa moyo weba. Kakukumba na chama kanda Yesu. Chilumbu chani. Chilumbu chani ni baba buloba, anu zambi kuwa kosa. Chilumbu chaku tanta kwanyi, anu zambi kuwa kosa. Chilumbu chaku nemane kulela, anu zambi kuwa kosa. Apara zambi wa mujulu, kakwena zambi mukobuto. Apara Yesu wa mbuta, kakwena zambi mukobuto. Yo yo, yo yo yo, Loba na bomo inangai, ngasa, manyi. Na yoka achiluba teme, kabangu wazobeta, na komu ningisa mutu, ondire mutu wa loba achiluba, ondire na yoka achiluba. Mizige zobeto zoke lengyo zo rule. No mikolo wakumona ndo yende, mingi bakri mingi boko yoka na banzembo na ye, bao boyebi si bazwa zwa na kati, meboye bake uta kipa na ye, Alain Kabangu. Alain Kabangu, le descendant spirituel de Kabongo Mbaya. Distribution exclusive Kazarema. Fafaneba Shinowani Dindisoneba Noimawani Fafaneba Shinowani Dindisoneba. Merci le socle Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment. Keba Okozwati Jengu Soki Osombite. Achetez l'original pour la robate la kimia. Après de la souffrance au pouvoir de l'album Amour Full Lova, la sœur évangéliste Beyou Ciel revient sur le marché du disque et chante avec sa voix angélique Bazoa Zéro. Et oui, veut dire Satan n'a batonaye, Bajalou, Nabanguna Nayo, Bazoa Zéro, Libungu Toulou. Un nouvel album chrétien succulent de 10 titres, signé Beyou Ciel, sous le label Pactol Production Office de Lolo Moutima, le socle de la production congolaise. Bakamate Sifuru, Bokuba Kankatu, Bazoa Zéro, disponible en CD et DVD chez tous les bons disquaires de la place, dans le supermarché et chez Kazarema.com. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Bangadra Tijen, Bakozoa Zéro. Un album anthologique fait avec amour, avec la musique de la cour des grands. À posséder absolument. Soki Osombite, Ozui Zéro. Distribution exclusive Kazarema. Une production Pactol Production Office. Merci Beyou Ciel Lova. Merci le socle Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment.
Pour n'amiter maman B, basui zéro. B basala, foin foin na foin foin. Pactole d'Afrique, sous son label Pactole Productions de Lolo Moutima, le socle de la production congolaise, présente la sœur Sarambouyi Mishika dans Yesu Moninga Malamu. Moninga Malamwe, Moninga Malamwe, Moninga Malamwe, Moninga Malamwe. Un album chrétien fait pour glorifier notre Seigneur. Bientôt dans les bacs. Disponible en CD et DVD chez tous les bons disquaires de la place, dans le supermarché et chez casarema.com. Distribution exclusive en Afrique, Greco Music, au marché central de Kinshasa. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Yesu Moninga Malamu. Il faut l'écouter pour connaître la place du Seigneur dans votre vie. La sœur Sarambouyi Mishika Upite, une véritable chante de l'Éternel avec une voix pénétrante. Yesu Moninga Malamu. L'album de vos prières, l'album de vos adorations, l'album de vos louanges. Découvrez Sarambouyi Mishika Upite, sœur en Christ, chante de l'Éternel, artiste chrétienne. Yesu Moninga Malamu, avec des titres comme... Socle, Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment. Yesu alingi yo moninga nanga, yo pelinga ye, pona bomo ina yo, seko na seko. Amen.
Elle est de retour sur le marché du disque. Enfin, elle est là. L'évangéliste, la chanteuse, la sœur Béoutiel. Dans un chef-d'œuvre musical, Amour fou, Lova. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, en chanson signée Béoutiel. Amour fou, Lova. Une œuvre musicale chrétienne, Pactole Productions. De Lolo Moutima, le socle. Disponible en CD et DVD dans tous les points de vente agréés. Amour fou, Lova. Ezali Bolingo Yanzambe, Batela Kinya.